Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de cambourisme et bu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tu es qui l'en fait et tu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la salité? Tu vas encore faire le nyango aujourd'hui dans la salité. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de boubelle fait son hop, aïe au vide parade les confiants. Faut le balai pas chez nous. On est fiers d'être bantous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon âme ignore mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz. Je dis que tu vas épouser une bambilette. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien père qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi. Tu es seulement toi. Moi qui sur le don de la bouche te fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun. Pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre, la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutous. Donnez un peu de pouvoir et ils te traitent comme un boubou. Nerveux dès le matin, Félix Frère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop qu'on n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu ne penses même pas à Paul Biya, tu forgets Paul Biya. Si tu mets ton jackpot la linge, tu ne vas même pas à Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chipas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Je me dis qu'on t'en prend pas. C'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton frère de peine se fait. C'est la faute à Fabia. Ton ex-copain de paix. C'est la faute à Fabia. Ton mariage de paix. C'est la faute à Fabia. Ton manifeste de stress. C'est la faute à Fabia. Ton pistache c'est très mal. C'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal. C'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, je m'adresse au Bassa. De la Sanaga Maritime. Apprenez à défendre vos intérêts. Apprenez à défendre vos intérêts.
Il dit, apprenez à défendre vos intérêts. Je m'adresse au bassin de la Sananga maritime. L'honorable Joseph Mboui est décédé en 2013, député de la Sananga maritime. Et vous rappelez bien que le député a un montant d'argent en termes de micro-projets. Le mandat du député Mboui devait finir en 2019. Il est mort en 2013. La loi dit que le député suppléant prend la place du député titulaire si le député est nommé ministre. Il est remplacé par le suppléant. Si le député est nommé directeur général, il est remplacé par le suppléant. En cas de décès, il faut organiser une élection partielle dans la circonscription. Le RDPC n'a jamais organisé les primaires dans la Sananga maritime. Jusqu'à ce que le mandat est arrivé à échéance, on a renvoyé les élections en 2020. On reprend les mêmes chevaux. On reprend la même chose. Marinette Yedna arrive. Un an après, elle meurt. Le RDPC ne va non plus organiser le partiel. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple Bassa ne connaît pas revendiquer ses droits, ses intérêts. C'est de ça qu'il est question. Parce que pour organiser les élections partielles, il faut avoir du lobbying à l'intérieur. C'est de ça qu'il est question. La loi donne un an. La loi donne un an. Si après un an, les gens ne revendiquent pas que nous voulons notre député, nous voulons notre député, comme Marina est décidée, si vous vous asseyez, vous croisez les bras, en attendant que le RDP s'organise, sans que vous ne lui mettez la pression, ils ne vont jamais organiser. Il n'y a jamais de un sans deux. Dominique, que les micro-projets aillent dans les poches des députés, il va toujours mettre un seul forage quelque part. Même 5 tables bancs dans une école, il y a une différence entre 5 tables bancs et 0. On a fini le mandat 5 ans. Mboui est décédé en 2000. Mboui devait finir son mandat en 2019. On a renvoyé les élections en 2020. De 2013 à 2020, la Sananga maritime n'avait pas de député. J'ai dit aux gens de la Sananga maritime, apprenez à défendre vos intérêts. Ce n'est pas une histoire de vraiment, on a vraiment. Non! Je dis tous les jours, prenez votre destin en main. Ce n'est pas une question de casser, brûler. C'est une question de savoir comment s'organiser pour revendiquer quelque chose. C'est tout. Personne ne viendra vous taper. Personne. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. À chaque fois, le député de la Sananga maritime décède. À chaque fois, le député de la Sananga maritime décède. Je vous ai déjà dit,
Si tu fais la politique et que tu n'as pas ton derrière bien soudé, je sais de quoi je parle. C'est comme ça qu'on a éliminé beaucoup de personnes qui pensent que la politique c'est un jeu de bisounours, sans savoir que la politique c'est un jeu d'intérêt énormissime. Vous croyez que la vie de Dieu, elle n'est pas stratégique? Vous croyez que ce n'est pas stratégique? Que Dieu nous donne une longue vie sur la terre. Que les générations à venir vont rester voir le direct que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, quand ça reste dans, quand ça vient dans le numérique, ça reste des siècles et des siècles. C'est de ça qu'il est question. C'est comme les émissions radio. Dans nos tomes, en l'an 2100, on va vous dire ce qu'est devenu la vie d'Edea. C'est de ça qu'il est question. Les intérêts. Moi, je dis qu'il faut savoir s'organiser. Vous n'avez pas besoin de casser quelque chose. Mais il y a une manière de s'organiser et de revendiquer. Si le RDPC n'a pas organisé les élections partielles dans la Sénégal maritime, vous croyez que ces marinaires, il y en a qui vont organiser? Vous croyez vraiment? Organisez-vous. Vous devez les mettre la pression. Vous devez les mettre la pression. Sinon, vous savez bien que le RDPC, c'est quand tu les mets la pression qui se réveille. Non, vous avez vu, non? La vallée du, vous avez vu la vallée d'Intem, non? Vous avez vu la vallée d'Intem? Les gens se sont levés. Ils ont su, se sont fâchés. Ils disent, bon, comme vous êtes fâchés, on va même prendre ça, on va mettre ça dans le domaine privé de l'État. Ça signifie que, parce que quand un terrain part du domaine national pour le domaine privé de l'État, on ne peut plus dédommager les populations riveraines. Si le Ngom avait fait quelque chose là-bas. C'est parce que les populations se sont levées, se sont énervées. Vous comprenez? Parce que les gens simplifient. Mwanko, aidé à combien de kilomètres? Parce que vous devez bien retenir. Si le président Biya a refusé, un autre président pourra venir avec la pauvreté des Africains qui ne connaissent pas que c'est eux de s'organiser. Comme d'habitude, notre président pourra céder la plage de Yoyo au Qatari. Parce que ils ont toujours, ils ne se fatiguent jamais. Un projet peut être en veille. À tout moment, on peut l'activer. Quand le président Biya a refusé, a dit vous devez vous installer, pas vendre. On ne vous vend pas. Bon, il faut que les gens de la Sanaga maritime comprennent que si Marinette Yetna est décédée, comme elle est décédée là, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. De vous poser des questions.
Je répète encore, vous devez vous poser des questions. Deux députés. Deux. À peine sorti. Crap. À peine élu. Peine parti. Organisez-vous, défendez vos intérêts. Vos intérêts là. Et Anna. Mes frères, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas être dans un village. Une personne, Bangalam, il décède. L'autre, Bangalam, il décède. Personne ne s'organise. Et Bambo. Waouh, le tout bas. On l'a dit. C'est quoi ça? On vous a fait quoi? On a mangé votre cerveau? On a mangé votre cerveau? Quoi? On a mangé votre cerveau? Si on enlève l'État là, on enlève la République. Vous allez encore lutter, pourquoi? L'État là vous trompe. On vous appelle, oh c'est le Babimbi, oh c'est le Biko, oh c'est le Bakoko, oh tout ça là mes frères. C'est le même ventre. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? C'est pas une question. Retenez que la division amène une seule chose, la mort. Tu vas dans la Sanaga maritime. Oh, nous sommes les Bakoko. Oh, c'est les. Oh, vraiment de Dieu. Nous sommes les Adjé. Oh, vraiment de Dieu, c'est les Babimbi là-bas. Oh, vraiment de Dieu, c'est les Bikok là-bas. Ça sert à quoi? Vous êtes dans le même bateau. Vous vous mettez à percer la coque du bateau. Tu crois que quand le bateau là va se noyer, toi tu vas échapper? Tu crois vraiment? Ok. Ok. Moi, je suis comme le coq. À 5 heures, je dois chanter. Moi, je vous chante ce qui est. Vous voulez vous poser la question sur la table. Vous-même, vous trouvez la solution. Trouver la solution. Ça fait mal de voir des gens et en plus des parents. Hein, ils ne comprennent pas ce que nous on voit depuis. Luc Loé, parti, ne pose pas de questions. Mboui, parti, il ne pose pas de questions. Marina Yedna, parti, ne pose pas de questions. Vous attendez aussi qu'il se retourne sur Thuès. C'est ça que vous attendez. Heureusement que Thuès est maligne. Elle ne parle pas. Vous croyez qu'elle ne parle pas, pourquoi? Vous entendez qu'elle parle? Elle ne parle pas. Elle est engluée. Elle préfère se taire. Prends la main et met à la joue. Marina Yena est venue.
On t'emmène ici et regarde ministre de la décentralisation, ministre des travaux publics. Elle monte, elle descend. Hé, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ça? Fop! On est parti avec. Je vous dis, c'est pour ça que tu es, ne parle pas. Prends la main et mets à la joue. Et regarde. Ça monte. Quand ça monte, elle ne regarde même pas. Ça descend, elle ne regarde pas. C'est quand ça passe devant elle comme ça là, pour aller là-bas. C'est là où elle voit en face d'elle. C'est les gens qui les questionnent. Apprenez à revendiquer vos droits. Battez-vous. Organisez-vous. C'est quoi l'affaire? Quand je reste, quand j'ai dit que c'est même quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Vous faites la bagarre. Les bicons luttent contre les babimbi luttent contre les bakoko. Ça va mener à quoi? Ça va rien donner. Hein. Chez nous là-bas, vous voyez bien souvent, quand il m'assoit ici, je dis toujours que. Vous savez, s'il y a un député, soit il est Yambassa, soit il est Bafia, soit il est Banin. Quand nous on va arriver là-bas, hein, on va chambouler. On va dire que oui, ça fait 60 ans. À l'époque, quand c'était encore le parti unique, le parti unique avait l'habitude de faire rôter. Des fois, le député pouvait être Balloum, des fois, le député pouvait être Sanaga, des fois, le député pouvait être. Mais je dis bien, depuis que la démocratie est arrivée, je ne sais pas. Le seul député qui était le mandé, c'est Bicheki. Les premières élections, Bicheki était député. Dès lors, un le mandé n'est plus jamais devenu député. On a dit que les mandés sont les opposants. Parce qu'ils ont voté Bicheki, comme si Bicheki, c'était que les Libanais qui ont voté Bicheki. Dès lors, si tu n'es pas cherché, il y a un député un jour, nous, un Balloum, tu vas te entendre, soit il est suppléant, soit il est titulaire. Peut-être cette fois-ci, on a mis qu'il est titulaire. À un certain moment, il faut que les gens accepte la rotation entre les groupes ethniques du département. Ça ne doit pas rester seulement que c'est les mêmes qui doivent être là, comme les autres sont là pour les accompagner. C'est ça qui apporte les problèmes que vous voyez dans la Sanaga maritime. C'est ça le problème. Oh, elle est Babimbi. Oh, vraiment de Dieu. Oh, pourquoi c'est Bakoko? Oh, c'est un Babindi. Oh, pourquoi le maire est ceci? C'est tout ça qui entraîne la mort. Nous avons donné un avertissement au maire de la ville d'Edea. On voit des gens gesticuler par derrière. Ils nous disent que non, c'est un oin de Dieu. C'est un oin de Dieu. Vous dites que c'est un oin de Dieu? Qui prie beaucoup. C'est ça? Vous avez dit qu'il prie beaucoup, hein? Il prie beaucoup. Ok. Asseyons-nous donc. Croisons les bras. Et regardons. Il prie beaucoup.
Vraiment de Dieu. Les gens sont tellement naïfs. Quelqu'un est assis chez lui. Il demande pas à être même candidat pour être député, pour être même maire. On vient lui chercher chez lui. On lui dit que viens être ici. Viens, on a écrit ton nom dans la liste. Hein. Viens faire campagne. Ça ne vous dit rien. Qu'on cherche quelque chose. On est surpris de voir des gens aussi naïfs. Ah. Et écoutez-moi, les gens qui sont venus avec la Bible en Afrique, ils ont créé une guerre, première guerre mondiale. Ça a tué des millions. Avant la première guerre, ils ont d'abord créé l'esclavage, la traite négrière. Des milliers d'Africains sont morts dans la Méditerranée, dans l'océan Atlantique, pour aller travailler dans les cannes à sucre. C'est les mêmes gens. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont créé la première guerre mondiale, les millions de morts. C'est pour ça qu'ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont créé la deuxième guerre mondiale. Des milliers de morts. La guerre est même finie. Ils ont dit que non, on n'a pas encore tué beaucoup. Ils sont allés lancer la bombe atomique à Hiroshima. Mais la guerre est finie, non? Pourquoi vous lancez, vous tuez encore les gens? Ils disent que non, ce n'est même pas suffisant. Il faut encore choisir une autre ville, Nagasaki. Ils lancent encore là-bas. Des millions de morts. Ce n'est pas fini. Les mêmes qui sont venus avec la Bible aujourd'hui, c'est eux qui nous disent que vraiment, on voit que ce qu'on avait écrit dans la Bible là, ce n'est pas bon. Il faut que l'homme et la femme se marissent. Il faut que l'homme et l'homme se marissent. La femme et la femme se marissent. Vraiment de Dieu, ce n'est pas c'est ce qui doit être. Maintenant, les mêmes nous ont créé Covid. Continuez, dites qui il est un homme de Dieu. Vous comprenez? Nous, on vous a dit de lui dire qu'il se méfie. Son nom est écrit. Et je vous redis encore, son nom est écrit. C'est écrit. Maintenant, on attend. On ne fait que le pousser. On le pousse. Tu vas arriver à un certain moment, tu n'auras plus d'équilibre. À terre. C'est 1 mètre sur la terre. À ce moment-là, nous, on va revenir faire le direct. On vous pose la question, mais ça qui vous avait dit qu'il était un ou homme de Dieu? C'est ça qui est la question. Parce que les gens ne veulent pas comprendre les enjeux. Ils refusent de comprendre les enjeux. Ils refusent. Vous avez une ville stratégique qui est sur la route de la deuxième capitale économique du Cameroun. Kribi, déjà, les autres anticipent. Si vous ne comprenez pas l'affaire, c'est ça qui est la question. Défendez vos intérêts. Les gens blaguent. Vous pensez qu'en l'an 3000, le Cameroun là sera comme ça encore, en l'an 3000, Il y aura des mutations. Kinette, il a une probité morale. C'est bien. Mais nous, on a déjà appris que la mairie ne va pas finir. Il te dit ce qu'on a dit, hein? Ils ont dit que la mairie là, qui est à plus d'un milliard là, elle ne va pas finir. Et quand elle ne va pas finir, on va venir lui dire tends les mains. Qui? Nous, tout ce qu'on dit, c'est que les gens doivent changer de comportement.
Les gens ne doivent pas être naïfs à ce niveau. Vous êtes là tous les jours, vous entendez, oh, on a brûlé une maison dans le Mungo, on a tué un chef. Vous pensez que c'est pour rien? Vous croyez que c'est pour rien? Le département où on tue beaucoup les chefs, c'est le Mungo. L'État a fait quoi? L'État a fait quoi? Le département où on tue plus les chefs, c'est le Mungo. L'État a fait quoi? Ça fait 60 ans. Lorsque vous n'avez pas une stratégie vous-même, pour les populations, je vous donne rendez-vous en l'an 3000. Les mutations qui vont se réaliser sera infernal. Il y aura des ethnies qui vont disparaître de la carte. Complètement. L'an 3000. Entre-temps, les autres s'organisent pour continuer la domination jusqu'en l'an 4000. Les gens ne comprennent pas ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si tu prends la capitale de la RDC, la longueur de la capitale, la RDC, 75 km sur 25 km de large. Kinshasa. C'est ça la longueur, la largeur de la ville. Ça veut dire que tu dois là, tu dépasses déjà. Ça, c'est la longueur de la ville. Et vous croyez que et dit, va être comme il est là. Non, mes chers amis, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Il y aura des mutations. Et ces mutations font que ceux qui ne comprennent pas ça vont disparaître. Voilà l'État, je vous prends l'exemple de l'État. Depuis qu'on assassine les chefs dans le Mungo, l'État a fait quoi? C'est parce que les Mbo ont baissé les bras, ils ont dit l'État. Non, on ne marche pas comme ça. Il faut toujours s'organiser. Toujours. C'est ça la vérité. À bon entendeur, salut. Je continue avec mon massacre. Ils accusent le président Biya que le président Biya a gâté le Cameroun. Leurs parents sont là. On continue à lire les gens qui ont gagné les marchés au ministère de la Santé publique. Ils disent que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Vous comprenez, non? Il faut lire ces choses pour que les Camerounais comprennent les qui détruisent le pays. Ils disent c'est Paul Biya. 1er juillet 2020, fourniture du matériel spécial pour le centre d'isolement de Bolova
lits d'hospitalisation, chariots, urgences, bassins de lits, chaises roulantes, glucomètres, boîte de petite chirurgie, surblouse combinaison, combinaison de protection, bandelette pour glucomètre, masque FFP2, saturomètre, chariot brancard et de pansement, gants à usage unique, d'électrocardiogramme, microscope, pardon. Si vous avez quelqu'un à Ebola, allez dire à la personne de regarder. Si vous avez quelqu'un qui travaille là-bas à l'hôpital, demandez que tout ça là, c'est là-bas. Microscope, centrifugeuse, plateau inox, tabouret à hauteur, réglable, bain-marie, poubelle, bain-marie, poubelle, avec pressoir, table de chevet, fauteuil roulant, appareil d'aspiration, boîte de petite chirurgie, haricots de soins, masque de protection et chaussures, montant 127 278 829 francs CFA, établissement Business C, bénéficiaire effectif, Madame Messina, Josepha Tatiana, fourniture livrée et réceptionnée. Paul Biya a gâté le Cameroun. Voilà. C'est bon, là maintenant, la lumière est bien. Premier juillet 2020. Fourniture du matériel médical pour le centre d'isolement de Bétois. Lit d'hospitalisation. Chariot d'urgence, bassin de lit, chaise roulante, glucomètre, boîte de petite chirurgie, surblouse, combinaison de protection, bandelette pour glucomètre, masque FFP2, saturomètre, chariot brancard et de passement, gants à usage unique, électrocardiogramme, microscope, centrifugeuse, plateau inox, tabouret à hauteur réglable, bain-marie, poubelle, bain-marie,
poubelle, avec pressoir, table de chevet, fauteuil roulant, appareil d'aspiration, boîte de petite chirurgie. Chariot de soins, masque de protection et chaussures. Montant. C'est-à-dire, vous comprenez que c'était la distribution d'argent. Le marché octroyait à l'entreprise établissement Business C. C'est le même marché qu'on a octroyé à 127 278 829. Le même matériel, ça c'est pour l'hôpital de Bolova, le même matériel pour l'hôpital maintenant de Bétois, c'est-à-dire le même matériel, ils n'ont pas enlevé la virgule, la même chose. À ce moment-là, montant 210 499 291 francs. Pourquoi à l'établissement Business 6, c'est 192, 127 278 829 francs. Le même matériel pour l'hôpital de Bétois, ça passe à 210 499 291 francs. Le même matériel et à Paul Biya Gâteau le Cameroun. Minalumi. Établissement NJ. NJB Service. Bénéficiaire effectif. Madame Soa Annie Irène. Vicky, fourniture du matériel médical, combinaison complète et gants stérilisés, $155 millions. L'autre n'a que les dents. Fourniture, matériel médical, combinaison complète et dents stériles. Il a 150 millions. L'autre a toute une liste de matériel. Il a 127 278 000. On distribuait l'argent comme ça. Et pour bien gâter le Cameroun. Établissement Cambisa, bénéficiaire effectif, Womeni Casimir, matériel, fourniture livrée et réceptionnée. Acquisition d'armoires de rangement. Acquisition d'armoires de rangement. Il n'y a pas le nombre. Il n'y a pas le nombre. Malgré qu'on a écrit à moi avec S. Mais on ne connaît pas le nombre. 280 millions. Établissement. Qu'est-ce ça? Bénéficiaire effectif. Que a-t-il bien aimé? Fourniture livrée et réceptionnée. Armoire de rangement. Vous savez, les armoires qu'on tire comme ça, non? À l'hôpital, on met les dossiers. C'est ça. On a donné à quelqu'un qui l'a acheté ça.
On lui a donné 280 millions. On n'a pas dit le nombre. Il faut les arrêter, excellence, monsieur le président. Travaux d'aménagement des locaux, de mise en quarantaine de l'aéroport international Yaoundé-Simalène, 67 983 948 francs. Établissement Rock Consulting, bénéficiaire effectif Ngompetagne Richard, Paul Biya, Gato le Cameroun. Fourniture de matériel médical et équipement connexe. On ne connaît pas le matériel médical. Fourniture du matériel médical et équipement connexe, c'est tout. On n'a pas précisé. C'est tout. Montant 209 millions 55 992 francs. Établissement Sharon Building. Bénéficiaire effectif, Madame Baliaba, Conche Prudence, Vanessa, Paul Biya, Gato le Cameroun. Fourniture du matériel médical, lit d'hospitalisation, on ne donne pas le nombre. Lit d'infirmerie, on ne donne pas le nombre. Chariot d'urgence, ça veut dire que c'est le fournisseur qui doit décider, bon, je vais livrer 3, je vais livrer 4, je vais livrer 2, je vais livrer... Ce que le bon de commande ne précise pas le nombre. 110 445 000. Établissement Sharon Building. Bénéficiaire effectif, Madame Baliaba Conche Prudence Vanessa. Acquisition du mobilier de bureau. Acquisition du mobilier de bureau, c'est pas précisé. On n'a pas dit deux chaises, deux tables, machin. On n'a rien dit. Montant 82 381 398. Établissement à bois perspective. Bénéficiaire effectif Aboubakar Sidiki. Paul Biya, Gato le Cameroun. Fourniture du matériel médical. Extracteur d'oxygène. Pas de nombre. C'est l'entreprise qui décide le nombre d'extracteurs qu'il faut livrer. Tabouret à hauteur réglable. Il n'y a pas de nombre. C'est l'entreprise adjudicataire qui décide le nombre de tabourets. Bassin de lit à inox. Il n'y a pas le nombre. C'est l'entreprise adjudicataire qui décide le nombre. Chaise roulante, il n'y a pas le nombre. C'est l'entreprise adjudicataire qui décide le nombre de chaises. Abaisse-langue, il n'y a pas le nombre.
c'est l'entreprise adjudicataire qui choisit, qui décide le nombre. Tambour inbox, diamètre, il n'y a pas le nombre. C'est l'entreprise adjudicataire qui décide le nombre. Masque de protection, il n'y a pas de nombre. C'est l'entreprise adjudicataire qui décide le nombre. Sur chaussures, il n'y a pas de nombre. Lampe d'examen, il n'y a pas de nombre. Électrocardiogramme. Là, électrocardiogramme, 12 pistes. Il n'y a pas de nombre. Chariot brancard, il n'y a pas de nombre. Tenue de travail, masque, tenue de travail, il n'y a pas de nombre. Masque FFP2, il n'y a pas de nombre. Sur blouse, il n'y a pas de nombre. Montant, 274 308 203 francs. Établissement BIF. Bénéficiaire effectif, Madame Bilogué Véronique. Acquisition du matériel médical, masque de protection, il n'y a pas de nombre. 62 millions. Entreprise Sabriana. Sabriana Doster. Bénéficiaire effectif, Camden Joseph. Paul Biya a gâté le Cameroun. Fourniture des sur-chaussures. Il n'y a pas de nombre. C'est pas défini. C'est l'entreprise adjudicataire qui sait le nombre. Montant 180 millions. Entreprise adjudicataire, Métro Carlib, établissement, bénéficiaire effectif, Saint-Jean-Paul, fourniture de lits d'hospitalisation, il n'y a pas de nombre dans le bon de commande. Il n'y a pas le nombre ici. 999 952 francs. Établissement Perform Holding. Bénéficiaire effectif, Endeli Ongene, Paul Stéphane. Paul Biya a gâté le Cameroun. Fourniture du matériel médical, coton hydrophile, pas de nombre. Tambour inbox, diamètre, pas de nombre. Garrot artériel, caoutchouc, pas de nombre. Pot à urine, pas de nombre. Aiguille à ponction lombaire, pas de nombre. Tube de prélèvement, pas de nombre. Appareil à hématologie, 24 paramètres, pas de nombre. HIV test rapide, pas de nombre. Microscope, pas de nombre. Centrifugeuse, pas de nombre. Plateau inox, pas de nombre. Appareil d'aspiration, pas de nombre.
dans le bon commande, ils mettent même etc. Au vrai, un bon commande, on met etc. Un bon commande, hein, anti. Mon ami, le bon de commande spécifie tout. Mon frère, on laisse ça à la décision de l'adjudicataire. Tu veux même où? Un bon de commande, on met et sera. Un baloc, un pour bien. Le patin la souffre. Le patin la souffre. Ils vont dire que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Pardon. Lis-moi les choses. Montant 219 514 600. Nalini. Paul Biya a gâté le Cameroun. Établissement Charon Service. Bénéficiaire effectif. Madame Mbala Ngoulou Catherine, Paul Biya a gâté le Cameroun. Non, 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 Milanka, yé, Madame Wolmionia, on continue. Fourniture. Voilà, fourniture de 12 véhicules pick-up, double cabine, 4x4, au ministère de la Santé. Vous voyez, non? On a spécifié 12 véhicules pick-up 4x4. Si on dit fourniture de véhicules 4x4, ça n'a pas de sens. C'est non-sens. 339 600 000 francs CFA. ABS Motor. Compagnie SAR. Aboubakar Sidiki. Fourniture par voie aérienne. Express. De 20 000 kits de dialyse. $796,441,272 francs. Établissement. Présence médical car Pharma Afrique. Bénéficiaire effectif. Flandrien Benoît. Acquisition du matériel médical, combinaison de protection. Combinaison de protection, il n'y a plus de nombre, le nombre disparaît. La quantité. Et tenue de travail, pas de nombre. Montant 190 634 000 francs CFA. Établissement. Miflasa. Bénéficiaire effectif. Ndja Nda. Sa. Flagel. Jean Jassa n'a même pas livré, on attend toujours. Livraison attendue. On a signé le bon de commande, on a signé le bon de commande le 6 juillet 2020. Dans 2 mois, c'est un an. L'argent est déjà fini. Elle n'a même pas livré. Inalumi. Paul Biya a gâté le Cameroun.
fourniture du matériel. Fourniture du matériel médical, masque de protection. Il n'y a pas de nombre de masques. Père, gants stériles. Pas de nombre. Combinaison de protection. Pas de nombre. Suis-chaussures. Pas de nombre. Vissière. Pas de nombre. Masque KN95. Pas de nombre. Montant 167 800 000 francs CFA. Établissement Exploit. Bénéficiaire effectif. Monsieur Zem Kinda. Ulrich Gislain. Fourniture livrée et réceptionnée. Acquisition des combinaisons. 70 millions. Établissement YEX. Bénéficiaire effectif. Shinama Nadine. Fourniture livrée et réceptionnée. Ce n'est pas tout le monde qui est bandit. Mais sauf que tu sens l'entourloupe dans le bon de commande. Quand on dit acquisition de combinaison, ce n'est pas ça un bon de commande. Le bon de commande, c'est acquisition de 100 combinaisons de. On ne laisse pas dans le bon de commande à l'appréciation de la quantité à l'adjudicateur. Non. Là, tu comprends que c'est de l'argent distribué aux amis. Quel est ce bon de commande que tu commandes en matériel, tu ne spécifies pas. Acquisition du matériel médical, combinaison de protection, pas de quantité. Tenue de travail, pas de quantité. Masque chirurgical. Pas de quantité. Montant. 228 056 500 francs CFA. Établissement Étalon SAR. Bénéficiaire effectif. Ousmane Yerima. Fourniture du matériel médical, gants en latex, pas de quantité. Thermomètre infrarouge, pas de quantité. Masque chirurgical, pas de quantité. Masque de protection, FFP2, pas de quantité. Combinaison de protection, pas de quantité. Lunettes de protection, pas de quantité. Montant, 351 150 000 francs CFA. Établissement, Red Medical SAR. Bénéficiaire effectif. Onobiono Michael. Fourniture livrée et réceptionnée. Paul Biya à Gatoro Cameroun. Fourniture du matériel médical, combinaison de protection, pas de quantité. Lunettes de protection, pas de quantité. Charlotte est sur mesure, pas de quantité. Montant, 123 850 000 francs CFA. Établissement Dima Dele.
bénéficiaires effectifs. Nguemo Anatole. Acquisition de combinaisons, tenue de travail, pas de quantité. 67 850 000 francs CFA. Dit Madel. Madame. Madame Anzongo, Fidèle Daniel, Paul Biya, gâteau au Cameroun. Fourniture de combinaisons de protection. Thermocélabre, pas de quantité. 74 millions. Établissement, Société Camerounaise de Services, bénéficiaire effectif. Monsieur Kenye Ngemtue, Hervé Ruffin, Paul Biya, gâteau au Cameroun, fourniture livrée et réceptionnée. Fourniture de combinaisons de protection complète, thermocélabre. Regardez, hein. Je prends l'autre ici. Fourniture de combinaisons de protection thermocélabre. 74 millions. Ça, c'est Kenyé Ngemtue Hervé Ruffin. Fourniture de combinaisons de protection complète thermocélabre. La différence entre lui, que lui est complet, l'autre n'est pas complet. Donc, dans la spécification, lorsque tu passes un bon de commande, fourniture de combinaison de protection thermocélabre, tu dois mettre non complet. 74 millions. Maintenant, fourniture de combinaison de protection complète, thermocélabre. Complet. 290 400 000 francs CFA. Établissement Enzo. Bénéficiaire effectif. Eyebe Michel. Maïlac. Je continue demain. Paul Biya a gâté le Cameroun. Demain, on continue. Tant que ça ne finit pas, il ne m'arrête pas. Parce que quand nous, on dit que le problème du Cameroun, c'est les mandarins, on me dit, Abdel, tu es sûr que ce n'est pas le père? Le père fait sa job. Ils ont dit que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Donc, vous êtes en train de voir. Ça, c'est petit niveau. Covid. Bon, vous imaginez alors le matériel qu'on livre à l'État du Cameroun. Vous imaginez. C'est Dieu qui les expose. Parce qu'ils ont prévu détruire le président Biya. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que Dieu fait en sorte qu'il soit exposé seul. Seul. Si le Covid gate ne sortait pas, nous n'allions pas avoir le listing ici. Parce que le Covid gate est sorti, allez, les patriotes du ministère de la Santé ont mis le listing dehors. Que c'est même quoi cette histoire? Même quoi cette histoire? Voilà les bons de commande d'un
d'un ministère, on commande le matériel sans spécifier le nombre. On laisse à l'appréciation de l'adjudicateur. Et Paul Barthélemy Diabine Vondo, nous vous soutenons. Ce sont les preuves que nous, on avait déjà depuis. On disait le père est à soutenir. Jusqu'à. Il y a un complot contre lui. Et nous sommes contents et nous sommes fiers de l'avoir soutenu. Et on continue à le soutenir. Jusqu'à la gare. C'est pour ça qu'avec ça, et à peu près, ne quittez pas le pouvoir, sauf la mort. Ne quittez pas, restez là-bas. Restez là-bas, ne quittez pas. Ne quittez pas, à peu près. Mon frère, nous sommes en train de travailler sur ça. Le gars nous a promis que mon frère, je bataille. Dès que je vais mettre la main sur le listing des marchés de la CAN, je vais balancer mon frère. Tu fais la job. Ils disent que M. Biya a gâté le Cameroun. Ils sont tapis à Yaoundé. Ça s'aille, tu les vois changer de voiture. Voilà l'argent. Voilà comment ils détruisent le Cameroun. Il disait vraiment, quel est ce pays? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Oh, le vieux de Trouy fait ce pourquoi il a été élu. Je vous remercie. Passez une bonne nuit. On se prend demain. On continue notre lecture. Ils ont dit que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Vous êtes en train de voir une fois de plus. Mes frères Bassa, ne vous découragez pas, défendez vos intérêts. Je le dis encore, j'envoie encore un message au maire de la ville d'Idéa. Monsieur le maire, ne prenez rien s'il vous donne. Et monsieur le maire, ne prenez rien s'il vous donne. Ils viendront vous dire, c'est les rétrocommissions. Monsieur le maire, ne prenez pas. Si vous prenez, Anyamba, ils vont finir avec vous. Évitez les rétrocommissions de la construction de l'hôtel de ville d'Edeya. Nous, on parle comme ça parce qu'on est au courant. Si vous prenez les rétrocommissions, la maison ne va pas finir. À bon entendeur, salut. Ils détruisent le Cameroun, ils disent c'est Paul Biya. Ils disent c'est Paul Biya. Tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire.
fait manger le feu, espèce de chien père qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici un bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton taille frappe, tu sors du school et c'est ton autre qui t'explique ton salaire. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi tu es le don de la piste, fais quelque chose pour toi. C'est ça le grand mot, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre, la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits bouboutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un boucoucou. Nerveux dès le matin, Félix Père, ne me parle pas de balayer mon propre corps, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Paria. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Paria. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Tu abandonnes tes moulins. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton job pour la linge, tu ne vas même pas Paul Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sur, c'est la faute à Fabia. Quand même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout est puissant, c'est la faute à part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun.